Il y a déjà 11 ans de ça, Christophe Ouim gagnait la Nouvelle Star, le 8 juin 2006. Un véritable tremplin pour le chanteur qui lui a permis de faire son trou dans la musique. Après 3 ans d'absence depuis son dernier album, sorti en 2014, La Tortue est de retour avec un nouveau single Marlon Brando, extrait de son prochain album qui sortira dans les bacs le 30 septembre 2017. C'est dans ce cadre que Christophe Ouim s'est confié sur cette nouvelle aventure au micro de C'est à vous. Un 5e album qui est passé avant d'autres projets à la télévision, mais également à la radio. C'est également à cette occasion que Christophe Ouim s'est confié sur le rapprochement qu'il avait eu avec la production de La Nouvelle Star. L'interprète de Double G a bien failli devenir juré pour le retour du télécrochet qu'il a fait connaître en 2006. Mais malheureusement le timing n'était pas bon pour Christophe Ouim, la question s'est posée à un moment, mais je suis vraiment sur l'album. Donc non. On en a parlé au tout début, mais je savais quand l'émission allait arriver et j'étais tellement focus sur l'album que je n'ai pas voulu m'éparpiller, a révélé celui qui avait déjà endossé ce costume de juré dans X Factor. Ce n'est d'ailleurs pas la seule émission à laquelle il s'est empêché de participer à cause de son nouveau disque. La Tortue devait également rejoindre l'équipe des Grosses Têtes présentée par Laurent Ruquier, mais ses projets ont encore été contrecarrés par son album. Je ne voulais pas le faire pendant que j'étais en tournée ou en promo, car je trouve cela malvenu. Mais dès que j'aurai le temps, j'irai avec plaisir parce que je me marre vraiment bien là-bas. D'ici quelques mois, il devrait donc enfin pouvoir rejoindre officiellement le programme.